Décor de rêve aujourd'hui pour la première descente masculine de la Coupe d'Europe de ski. Sous un soleil radieux et sur une neige qui a plutôt bien tenu, 103 compétiteurs venant de 16 nations différentes se sont élancés sur la piste mythique Oka, la piste oreiller qui lie à Val d'Isère, celle-là même qui accueille les épreuves d'âmes de Coupe du Monde. Le tracé assez court pour un dénivelé de 598 mètres a permis de montrer les nations et coureurs en forme. Pas de surprise, les Autrichiens sont bien là en plaçant 3 des leurs dans les 4 premiers, dont le vainqueur Johann Scroll, âgé de 20 ans seulement. How do you feel, Johan? I'm very happy. It's my first European Cup sieg. It's first time I win that. What do you think about the race? The race was very good. It was my best race this season. It was easy for you? No, it was not easy. I gave everything I had. And it was easy. Chez les Français, pas de réelle grande performance. Une 12e place pour le meilleur pour Brice Roger de La Plagne. Un petit peu moins bien que les résultats des entraînements de la première descente de Coupe d'Europe hier et avant-hier. Donc je pense que ça ne leur suffit pas, ça ne leur convient pas. À nous non plus d'ailleurs, parce qu'on sait de quoi ils sont capables. Et je pense qu'on va rectifier demain. Alexandre Bouillot inscrit une 19e place. Déception pour Lavalin qui s'attendait à beaucoup mieux. Je suis de la merde. Hein. J'ai fait de la merde. Ça tapait un peu la piste et je me suis un peu désuni, quoi. J'ai pas super bien skié les endroits où ça tapait. J'aurais dû garder plus de hauteur et du coup c'est un temps vraiment très très moyen, quoi. Nul même. Demain, nouvelle descente et comme pour la veille, la promesse d'un beau spectacle.